Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Bienvenue encore une fois de plus sur Contact Pro Life. Nous sommes très ravis encore de plus d'être encore devant vous pour vous présenter un nouveau numéro. Nous sommes de retour après un petit moment où nous avions quitté les écrans. Disons, nous étions absents de nos bureaux à cause des problèmes techniques que nous avions. Et surtout, nous étions sur le projet dont je vous avais annoncé depuis l'année passée que nous sommes en train de confectionner pour toujours notre République démocratique du Congo. Donc aujourd'hui, nous sommes là. Donc je crois que les choses sont rentrées dans la normale. Et donc régulièrement, vous aurez maintenant nos réflexions sur comment est-ce que nous pouvons solutionner les problèmes à partir de la Constitution. Donc nous ne nous écartons pas de notre ligne de conduite, de notre ligne éditoriale. Réfléchir sur l'application de la Constitution dans l'actualité. Qu'est-ce que nous pouvons changer? Qu'est-ce qui fait que les choses ne marchent pas? Aujourd'hui, il y a des discussions terribles. Il y a des gens qui se déchirent. Il y a des discussions sur les tribus et le tribalisme. Et nous avions pensé que non, de notre retour comme ça, nous devrions en principe vous éclaircir notre point de vue sur, ce sujet. Et ceci nous inspire en quoi? Nous avions été conviés à une manifestation, à une conférence que le Kassaïen, donc le peuple du Kassaï, avait tenu ici en Afrique du Sud, où ils ont élevé leur voix en disant que non, bon, le Kassaïen n'est pas tribaliste. Et je crois que vous aviez suivi. Et si vous ne l'avez pas encore suivi, vous pouvez aller toujours sur notre page Facebook ou page YouTube ici, présent. Vous allez voir cette vidéo où le Kassaïen se sont exprimés et ils se sont dit qu'est-ce qu'ils attendent du président de la République et que signifiait pour eux le tribalisme. Alors, cela nous a inspiré en nous disant nous devons quand même en parler. Et pour notre émission du retour sur vos téléphones et vos petits écrans, nous nous sommes dit que nous en avions déjà parlé dans le temps, mais nous devons quand même éclaircir le tribu et le tribalisme. Qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est un sujet qui nous divise. Aujourd'hui, le Premier ministre est à Lubumbashi en train de faire des conférences de réunification de communautés, à ce que les communautés vivent ensemble. Il y a d'autres personnes qui pensent que ça n'aura pas de fait. Et nous l'avions expliqué ici sur Contact Pro Live, pourquoi est-ce que toutes ces conférences-là n'auront pas de fait? Il n'y aura pas de résultats concrets. Alors, aujourd'hui, nous allons parler encore une fois de plus des tribus et des tribalismes. Qu'est-ce que le tribu et qu'est-ce que le tribalisme? Nous allons vous expliquer selon notre compréhension et ce que la Constitution dit. Ce que la Constitution dit, nous allons vous expliquer dans cette émission. Bien sûr que nous ne serons pas longs. Nous allons essayer tout simplement de vous donner les grandes lignes. Et cette discussion de Kassaïen nous a encore beaucoup plus inspirés en disant est-ce que nous les Congolais, nous connaissons vraiment c'est quoi les tribus et c'est quoi le tribalisme? Qu'est-ce qui est Congolais et qui ne l'est pas? Est-ce que c'est un problème d'identité? Est-ce que nous sommes capables de nous définir dans nos identités? Est-ce que nous sommes capables de nous unir dans la multitude des tribus qui se trouvent en République démocratique du Congo? Nous en parlons dans cette édition. Et puis, nous aurons à attendre aussi vos réactions pour nous dire si nous sommes vraiment dans la ligne. Parce que dans la conférence, il y a eu vraiment, nous avons vu qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprenaient pas le tribalisme, c'est quoi, les tribus, c'est quoi. D'autres confondaient le tribalisme avec le racisme et tout ça. Voilà. Avant d'aller un peu plus loin, comme d'habitude, nous allons prendre les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Et puis nous revenons tout de suite après pour le développement de notre sujet, le tribu et le tribalisme. Voici le grand titre à la une des journaux qui paraît ce matin sur Internet. Nous commençons par election-net.com. RDC Parlement, quand Matata Ponyo sème la haine entre Mbosso, Kodia et Bahati Lukwebo. Et puis, CENI, RDC élection 2023, la CENI a atteint le point de non-retour assistant le deuxième vice-président à Lubumbashi. Nous allons sur actualité.cd.
Élection de gouverneur, une fois élu à la tête du Kasaï oriental, Beyakabambi, Pierre promet de mettre l'homme au centre du développement avec les actions à court et à moyen et à long terme. Électoral, le député Didier Kambunda suggère l'organisation des élections pendant la saison sèche et fixe à 30% la représentativité de la femme. On va sur le Congo profond, glissement de terrain à Nyakaliba, à Bukavu, 5 morts et 9 blessés, bourgmestre de Kadutu. Et puis RDC, installation ce lundi à Kinshasa de la coalition pays du réseau des défenseurs des droits de l'homme. 7 sur 7, Confédération africaine, il y a la retrouvaille entre Mazembe et Berkane. Et puis Hydrocarbure Didier Boudimbou en Guinée équatoriale pour booster la production pétrolière et gazière de la RDC. Boycott du débat sur la loi électorale par le FCC. Les collègues ne se sont pas habitués au débat. Ça, c'est pourquoi ils ont fui. C'est l'UNC Boudimbou qui parle. On termine par Radio Okapi. Beni, 16 jeunes interpellés lors de l'échafouré à Ouicha. Deux leaders FRPI quittent Bounia ce mardi pour Nairobi via Goma. Merci, on se revoit demain dans un nouveau numéro. Au revoir. Voilà, mesdames, demoiselles et messieurs, vous êtes au courant que le Premier ministre, comme je vous disais dans l'introduction, le Premier ministre est au Katanga et il y a des conférences où on essaie un peu d'unir les gens, de parler sur la cohabitation des communautés kassaïennes et katangaises. Et ça cause problème. Et on se demande, est-ce que ces conférences-là, à quoi aboutira ces conférences-là? Quelle est la place de ces conférences-là pour la réunification de ce pays? En tout cas, nous, de notre côté, nous sommes très sceptiques parce qu'il y en avait eu beaucoup. Il y en avait eu beaucoup, même au sud Kivu, même au nord Kivu. Nous avions vu la communauté Banyamulenge qui est simple de s'organiser. Et moi, j'avais donné mon point de vue en disant, nous devons encourager à ce que les communautés puissent se mettre ensemble. D'abord, dans un premier temps, en vous disant ceci, nous avions dit que le problème de la République démocratique du Congo, ce n'est pas un problème particulier, c'est un problème global. Et ce problème global devra demander des solutions globales. Mais par où nous allons commencer? C'est ça la question. Comment est-ce que nous allons commencer à implémenter le problème global? Est-ce que nous avions élucidé le problème? Est-ce que nous avions compris où serait venu le problème? D'autres personnes parlent de l'histoire. Non, les Belges nous ont laissés dans ces histoires ici. Continuerons-nous à nous débarrasser ou bien en faisant allusion que non, l'histoire a fait à ce que nous ne puissions, on ne peut pas construire le Kasaï parce qu'il y a eu des problèmes techniques ou bien il y a eu des accusations des uns et des autres. Allons-nous continuer à donner cette réponse comme à la question posée du tribut et du tribalisme? D'abord, nous allons commencer ici à vous dire, les tribus au Congo, nous en avons 450. Nous en avons 450 à peu près, on dit, ce n'est pas un chiffre exact, parce qu'on dit, c'est selon les langues, c'est selon tout ça. Mais quand vous regardez les documents que nous a laissé le Belge et les chercheurs qui ont dit, nous avons à peu près 450 à 460 tribus en République démocratique du Congo. Et tout ça est cité. Dans mes émissions, je faisais même dérouler quelque part ici. Si vous allez dans Contact Pro Live, dans mes émissions sur ma page YouTube, vous allez retrouver ces émissions-là où je parlais de combien de tribus nous avions. Alors, comparativement à la Constitution dit « Un Congolais, c'est celui qui appartient à un tribu, est l'homme personnel, qui appartient à un tribu, qui avait ses terres lorsque on avait donné... On a créé la République démocratique du Congo. Donc la République démocratique du Congo, c'est l'association des terres, de l'association de toutes ces terres-là qui se retrouvent dans cet espace qu'on appelle République démocratique du Congo. Et ces terres-là étaient occupées par des populations, des hommes, et ce sont ces hommes-là que nous appelons aujourd'hui des Congolais. Et c'est ça notre origine à tous.
Ça, personne ne peut pas nier. Donc, le Congolais, c'est celui qui appartient à une tribu, et cette tribu-là qui a ses terres, et ces terres-là se retrouvent dans l'espace qu'on appelle aujourd'hui la République démocratique du Congo. Nous ne pouvons pas nier ça, c'est ça qui est défini dans la Constitution que nous utilisons aujourd'hui. Donc, et Congolais, selon l'article 10, je me répète, c'est que c'est l'homme se trouvant dans un tribu, appartenant à un tribu, dont l'espace a cessé de retrouver dans ce qu'on trouve, ces terres se retrouvent dans l'espace qu'on a appelé la République démocratique du Congo. Mais qui est cet homme-là? Cet homme-là vient des tribus. Donc, il y a des connivences linguistiques, il y a des connivences, donc les coutumes. Le problème que nous avions eu et que les gens ignorent et ont tendance à ne pas faire attention, c'est que le Belge, en quittant, il nous a arraché notre souveraineté sur nos terres. Il nous a inculqué cette mentalité en disant que l'homme est, les tribus n'auront plus à gérer leurs terres. Et c'est ça que c'est sur cette lanterne de flanc qui a été construit l'unitarisme de notre pays que nous vivons aujourd'hui. Nous avons bâti un pays dont tout se faisait à Kinshasa. On a dit à l'homme congolais appartenant à cette tribu que nous, à Kinshasa, nous allons vous administrer, nous allons vous diriger, nous allons construire les routes, nous allons faire tout ceci pour vous. Et les sols et les sous-sols appartenaient à l'État. C'est ça, c'est là où a commencé les choses. C'est là l'origine. Lorsque le peuple n'a plus de pouvoir sur leur terre, on a donné à cette terre-là en se disant « La terre appartient à l'État. » Et l'État, c'est qui? C'est l'ensemble de tous les Congolais. Et c'est là où vous allez entendre l'autre personne qui dit que non. Moi, si je suis Congolais, donc si je viens du Chaba, je peux aller au Kasaï ou bien si je suis Kasaïen, je peux aller à Kalemie, c'est chez moi. Je peux aller à Kinshasa, c'est chez moi. Mes chers amis, nous avons vécu ensemble pendant au moins 60 ans. Nous n'avons jamais vu quelqu'un être martyrisé. Bien sûr, il y avait ces histoires-là des Katangé qui ont été chassés à partir du Chaba, où on a chassé les Kassayens en les demandant de rentrer chez eux. Tous ces conflits sont nés comment? C'est parce que nous avions failli à l'administration de notre pays. C'est ça, c'est tout ça. Là, nous avons failli à quoi? La redistribution des richesses équitables à notre pays. C'est ça l'origine. On n'a pas pu être en mesure de se dire que la richesse que nous gérons de la République démocratique du Congo, nous pouvons développer tous les endroits de la République démocratique du Congo. Il y a même les mécanismes qui sont là. On a créé même des caisses de péréquation pour gérer les provinces qui ne produisaient pas. Je m'excuse. On avait cette idée-là de se dire que les richesses de la République démocratique du Congo devront être mises dans un panier et que ce panier-là, on devrait concevoir des projets sur toute l'étendue du territoire afin que tout le monde, ceux qui n'en ont pas, pourront aussi bénéficier de ceux qui en ont. C'est ce qu'on appelle la caisse de péréquation. Mais ça n'a pas marché. Jusqu'aujourd'hui, cette caisse de péréquation ne fonctionne pas. Mais les tribus, c'est quoi? Les tribus, justement, comme je vous disais, c'est cet ensemble-là de communautés qui parlent la même langue, qui ont le même coutume, qui ont des chefs coutumiers, qui ont les chefs de groupement, qui se retrouvent dans des secteurs, qui se retrouvent dans des territoires. C'est ce que nous appelons. Les tribus, ce sont là nos origines. Nous ne pouvons pas nous dire aujourd'hui que nous sommes Congolais comme ça. Sans nous déterminer d'où nous venons, de quel côté du Congo nous venons. Chaque Congolais a sa tribu. Et je vous expliquerai dans l'émission qui viendra comment est-ce que nous concevons, comment est-ce que les communautés peuvent commencer à vivre ensemble. Les communautés ont toujours vécu ensemble. Les conflits communautaires ont toujours existé. Mais ces conflits-là viennent d'où? Les conflits viennent du fait que l'État n'a pas pu faire son travail de rétribution des richesses. Vous exploitez de l'or, vous exploitez le diamant. Les diamants sortent dans un territoire, mais la rétrocession des richesses
ou bien la construction des projets, ou bien le développement de ces territoires-là ne marche pas avec la production. C'est ça donc, nous avons un problème de l'État qui n'a pas fonctionné. L'État n'a pas su gérer les tribus. C'est comme ça que les tribus, d'autres ont commencé à prendre les armes, d'autres ont commencé à se dire, mais non, qu'est-ce que nous avons? J'en avais parlé ici, que le courant à Boutembo, on en avait crié pendant longtemps que Boutembo n'a pas de courant. Mais lorsque les Nandes voulaient aller demander la permission à ceux qui construisent des barrages, ils étaient toujours butés par ce même politique en leur disant « vous attendez » et les années passées. C'est justement en 2017-2018 que nous commençons à voir que non, le courant, le Mounande a pris les choses en main en se disant « nous allons faire ». Et il y a eu une certaine ouverture du côté du gouvernement en donnant justement la permission à ce que les gens puissent commencer à construire le barrage. Nous l'avons vu au sud Kivu, où il y a des députés qui se sont dit « nous allons construire les barrages pour amener le courant chez eux ». Pourquoi ? Parce que le courant, c'est un facteur de développement. Alors, allons-y maintenant de l'autre côté du tribalisme. Le tribalisme, c'est quoi ? Dans nos propres tribus, nous n'avons pas de tribalisme. On ne peut pas parler du tribalisme. On parle du tribalisme lorsque nous sommes à la tête ou bien à la direction d'une institution étatique. C'est le fait de s'entourer avec les mêmes personnes de même obédience tribale. Ça vient de quoi? Ça vient du protection de l'emploi. Les ministres qui arrivaient au pouvoir, les gens qui arrivaient au pouvoir, ils s'entouraient effectivement avec les gens de leur tribu. C'est comme ça qu'on a appelé le tribalisme. C'est différent avec les conflits communautaires que les gens commencent à confondre. Les conflits communautaires, ça existera toujours. Les Banande n'aimeront jamais les Bahema ou bien les Kasaïens n'aimeront jamais les gens du Bas-Congo ou du Katanga. Les tribus, il y en aura toujours des problèmes. Mais le tribalisme, ça se trouve au niveau de l'État. Et nous avons le monsieur, le premier président qui avait prononcé ce mot-là, ce Mobutu. Mobutu avait dit que le tribalisme, c'est le fait. Quand vous êtes ministre dans votre cabinet, dans votre département, dans votre ministère, vous ne venez qu'avec les gens de votre tribu. Au lieu que nous puissions mettre les choses à ce qu'il y ait la méritocratie, et puis la Constitution l'avait dit, nous avons la géopolitique pour la gestion du pays. Ce n'était pas pour que nous, parce que les Nandes n'aiment pas les Houndé ou quoi que ce soit, non. Ou bien les Kasaïens n'aiment pas les Katangais, tout ça, non. C'était dans la gestion de la chose publique. Si les Kasaïens ont été chassés au Katanga, c'était dans la chose publique. Cette haine a été motivée par les politiciens qui avaient finalement n'ont pas vu comment est-ce que la redistribution des richesses n'était pas bien faite. La redistribution n'était pas bien faite. Ils se retrouvaient au Kasaï, disons au Katanga. Les Kasaïens se retrouvaient au Katanga, mais le développement ne suivait pas.
les gens constataient que non, les Kassaïens sont en train de faire des choses ici. C'était un alibi. Parce que la source était que le Katanga voyait, par exemple, que le Katanga n'avait plus de l'emploi et tout ça. Il y avait cet esprit individualiste qui commençait à naître. Et ce sont là les dirigeants qui en ont profité en disant que non, bato bazo sala musalate ou bien baza kosidiana mabe aweza ba outu bakuya kuya ou les gens qui quittent le Kasai. C'est ça l'origine. Je crois que je me suis bien expliqué ici que le tribalisme, ce n'est pas le fait des conflits tribaux. En Ituri, nous avons les conflits tribaux qui sont là. Mais la source de ces conflits tribaux, c'est quoi? C'est la richesse, justement. Parce qu'on n'a pas pu donner aux gens de l'Ituri, ils ne se retrouvent pas. C'est comme ça que les gens ont pris les armes en disant que non. Nous devons changer les choses. Nous devons apprendre à faire les choses autrement. Au lieu de faire des choses comme nous sommes en train de le faire, mais les gens viennent et que nous ne nous retrouvons pas. Certains tribus ne se retrouvent pas. Mais quelle est la solution maintenant? Parce qu'à Contact Pro Live, nous donnons des solutions. Nous réfléchissons sur les solutions à mettre en place pour que finalement les Congolais puissent venir vivre en paix. Et cette solution, nous nous sommes dit ceci. La personne qui a la clé de cette solution est la personne du président Félix Tshisekedi Antoine aujourd'hui. La solution c'est quoi? C'est rétrocéder le pouvoir. Les conférences ou bien les meetings que le premier ministre est en train de faire au Katanga, ces conférences-là n'ont pas de pouvoir, n'ont pas de légitimité. Il faut demander au peuple de se mettre ensemble. Ce n'est pas eux qui iront là-bas en disant que vous devez vous mettre ensemble. Ce n'est pas par la force. Les gens doivent comprendre que nous sommes au XXe siècle et que nous devons commencer à faire les choses autrement. Alors, le problème du Congo, c'est quoi? Nous devons avoir une solution bien appropriée aux Congolais. Et c'est ainsi que nous avions réfléchi sur le développement des 145 territoires en disant que le développement des 145 territoires devrait être se focaliser sur l'homme, sur les tribus qui habitent le même territoire. Parce que nous avons difficile à avoir des consensus au niveau du Parlement, c'est parce qu'à la base il n'y a pas de consensus. Les Kassaïens se sentent lésés. Aujourd'hui, ils sont en train de dire, s'il n'y a pas de construction de route, le mandat de Fatih sera nul. Sera un échec. Mais ils ne disent pas qu'ils ne vont pas le voter en 2023. Non, ils ne disent pas ça. Mais c'est à cela que nous appelons, nous faisons un appel au président de la République en disant que vous devez réfléchir d'une manière sereine, en disant que quel est le problème? Comment est-ce que nous pouvons mettre les gens ensemble? Le consensus se doit commencer à partir de la base. Laissez d'abord les gens, donnez les gens le pouvoir. Donnez les gens le pouvoir de contrôler leurs économies, de savoir d'où aller, qu'est-ce qu'ils ont, qu'est-ce qu'ils donnent à la République, comment est-ce qu'ils peuvent protéger leur région, leur territoire. C'est comme ça que nous nous sommes dit, le schéma c'est quoi? Le schéma c'est d'appeler aux états de lieux des territoires. Dans ces états de lieux, ça sera les gens qui habitent les territoires se mettre ensemble en se disant, voici la richesse de notre province, voici comment est-ce que nous allons administrer notre province, voici comment est-ce que nous allons protéger notre province, nous allons protéger et développer notre province. Ça doit être l'affaire du peuple à la base, qu'il soit Kassaïen, qu'il soit Mbunza, qu'il soit l'Équateur. Les gens doivent se dire que non, nous sommes des intellectuels, nous sommes au niveau où nous sommes au niveau où nous devons réfléchir ensemble ici, en prenant des décisions, en disant nous ne voulons plus de guerre. Quand vous suivez les conférences de Tutsi, qui a eu lieu quelque part, ils ont élu leurs représentants de leur communauté. Ils ont dit quoi? Nous avons cette hargne pour que la paix revienne. Nous voulons ce que nous puissions vivre tous en harmonie. Nous voulons contribuer à la reconstruction de ce pays. Nous ne voulons pas être des peuples apatrides. Nous voulons être reconnus et travailler avec les gens qui sont dans notre territoire pour que nous puissions mettre le développement. Mais le développement ne viendra pas dans la disparité, dans les non-consensus des gens. C'est comme ça que nous nous sommes dit, les états des lieux des territoires
Si nous leur donnons, nous donnons le pouvoir à ces états de lieu à dire exactement ce qu'ils pensent, à dire, à se mettre ensemble, à se, nous sommes quatre tribus ici. Nous avons nos tables ici que nous connaissons. Nous avons des gens que nous connaissons ici dans notre tribu. Nous les connaissons bien. Et à ce moment-là, ces gens-là peuvent se mettre ensemble en se disant, les guerres viennent d'où? Ils peuvent réfléchir en disant, Bitumba Oza Koutana Rwanda. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous, nous ne sommes pas des Rwandais. Voici ce que nous avons fait. Les conférences, les états des liés des territoires devront déboucher à l'identification de la population. Il y a un mécanisme que nous avons ici dans notre projet à faire l'identification. Ça ne doit pas venir de Kinshasa. Pour que les choses puissent marcher bien, il ne faut pas que Kinshasa puisse être encore comme le Belge qui terrorise, qui vienne vous imposer les choses. Il faut que la base puisse être en mesure de se dire, ici pour exploiter de l'or, ou bien notre or, nous le vendrions dans la communauté et nous sommes capables de contrôler la sortie et les entrées de tous ce que nous consommons ici. Les conférences, les états des lieux devront avoir le pouvoir. C'est comme ça que nous nous sommes dit. Le président devra d'abord proclamer la 4e République en disant « Nous allons mettre fin à cette constitution. » Parce que tout ce que je vous dis ici devra être écrit par le Congolais lui-même. Nous devons réfléchir sur les réformes à partir de la base. Comment est-ce que le Congolais perçoit le développement dans sa province? Est-ce que c'est un problème de courant? Comment est-ce qu'il peut financer lui-même, parce que les Congolais sont prêts. Ce n'est pas simplement aller chercher les gens à l'extérieur. Oh non, venez nous construire d'ici, nous allons vous donner les matières premières. Vous deviez penser à mettre des usines, par exemple, de construction, de transformation du cuivre, du diamant et tout ça, dans votre territoire, dans votre province, afin qu'il y ait du travail pour les gens qui se trouvent dans les provinces. Allons-nous continuer à exporter les matières premières? Allons-nous être un pays où c'est le marché des autres? Nous vendons le matériel, les matières premières, et elle vient nous vendre les produits de première nécessité. Nous ne sommes pas capables de faire des champs. Nous ne sommes pas capables de faire de grands projets agro-pastoral. Ça, c'est ça la question. Et cela ne viendra plus de Kinshasa. Et je crois, l'homme du Nord Kivu a compris. Et il a dit, la paix ne viendra pas avec Kinshasa. La paix viendra dès que le pouvoir sera ici. Lorsque le Mounande contrôlera son territoire, lorsque le Kasaïen contrôlera son territoire, et c'est cela qui dira, nous devons faire ceci, nous devons faire ceci. C'est comme ça, le projet de 145 territoires était axé sur la rétrocession du pouvoir à la base. La base devra être responsable des constructions de routes à un certain niveau. Parce que dans la gestion du pays avec les 145 territoires, nous avions dit ceci. Les gens vont réfléchir sur une nouvelle constitution qui sera mise en application début 2024, après les élections. Mais nous commençons à les préparer aujourd'hui pour ne pas être tombés dans les aléatoires comme on vit aujourd'hui. Les gens ne voient... Le président devait prendre conscience que toutes les choses qu'il doit réussir doivent se préparer. On ne peut pas déclarer l'état de siège comme ça sans l'avoir préparé. Nous devons nous mettre d'accord en se disant, voici, nous sommes au Kasaï. Qu'est-ce qui se passe? Quelle est l'économie du Kasaï? Qu'est-ce qui a fait à ce que nous n'avons pas le barrage de Katende n'a pas terminé? Nous allons nous mettre d'accord parce que nous tous, nous allons œuvrer pour le bien-être de la communauté, le bien-être de ceux qui sont dans leur province, dans le territoire. Donc, nous allons nous identifier, nous allons identifier nos ressources, nous allons nous mettre d'accord, nous mettre des projets que nous allons nous-mêmes réaliser. Que ça ne soit plus le président de la République. S'il faut recommencer à zéro, mais nous devons recommencer à zéro avec une nouvelle constitution, que le peuple congolais va commencer à réfléchir à partir de tout ce qu'il a.
Ne venez pas nous dire que non, nous allons mettre les communautés ensemble sans leur donner le pouvoir d'exécuter les résolutions qui seront là. Nous avons vu ça au niveau du Sud Kivu où à Uvira là-bas, les communautés viennent et puis ils parlent. Ils n'ont pas de pouvoir. Les résolutions ne seront pas mises en place. Quel est le mécanisme que nous mettons à ce que les résolutions que nous prenons soient mises en place? C'est comme ça que nous nous sommes dit, nous devons préparer cette 4e République en rétrocédant le pouvoir au peuple à la base. En tout cas, je vais m'arrêter là aujourd'hui en espérant que quelqu'un a compris que le tribu et le tribalisme, ce sont deux choses différentes. Le tribalisme, c'est au niveau de l'État. Le tribalisme, c'est au niveau de la gestion de l'État. La gestion de l'État par le tribalisme, ce n'est pas la haine tribale, non. Et la haine tribale, je vais vous expliquer comment est-ce que cette haine tribale pourra terminer dans notre prochaine émission. Alors, merci beaucoup en tout cas pour ceux qui sont en train de me supporter. Merci beaucoup pour tous ceux qui m'appellent. Merci beaucoup pour vos mails. Je les lis, toutes les mails que je reçois, je les lis. Mais je ne peux pas tout répondre parce qu'il y a à peu près un millier de mails que je reçois tous les jours. Et même les tweets. Je suis pratiquement à un certain moment, je me dis, je ne peux pas tout répondre. Alors, continuez surtout à vous abonner. Je vis qu'avec mon absence, il y a eu des gens qui se sont découragés, pensant que non, nous serons à côté ou quoi que ce soit, nous allons laisser nos réflexions. Non, nous sommes toujours là. Dès que nous avons, si nous avons encore ce souffle de vie, nous nous battrons pour qu'il y ait changement en République démocratique du Congo. Et je pense qu'en partageant ces émissions, en faisant un like, ça va augmenter la visibilité de nos idées à ce que ça parvienne aux décideurs. Merci beaucoup, on se revoit prochainement dans un nouveau numéro. Portez-vous bien, au revoir.